Mon client plaide non coupable, votre honneur. Très bien. Je vais fixer une date rapidement pour le début de l'enquête préliminaire. Claudine est venue chercher les affaires des gars. Je pensais pouvoir continuer à les voir, mais... Voici notre prototype. Ah, papa, en tout, c'était fabriqué par des enfants dans un sweatshop, ça. Je vous assure, j'ai visité tous les recoins de l'usine avec Benitez. Tout est conforme. Je pense même que t'aurais voulu aller jusqu'au bout, mais je voulais pas que tu le fasses parce que t'étais sous. Ah! On peut savoir ce qui arrive avec le projet des filtres résidentiels? Vous allez être mis au courant en temps et lieu. J'ai rencontré quelqu'un. C'était bien secret. C'est-tu quelqu'un que je connais? Ce serait pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Le plus rapidement possible. Tu dis tout ce que je pense, mais je suis pas venu ici pour te demander un mariage, là. OK. Le jour où il a décidé que c'était fini, là, l'alcool, ça a vraiment été fini. Même chose pour ses problèmes de jeu. J'ai parlé au détective Reyes. Nos filtres sont fabriqués dans une usine miteuse qui emploie des enfants. Michael va passer un méchant quart d'heure. Il a quand même tué quelqu'un. Papa, c'est un rock. C'est l'homme le plus résilient que je connaisse. Un événement comme ça, ça marque une vie. Bien dormi? Pas tellement. C'est quand la prochaine rencontre avec ton avocat? Juste avant le début de l'enquête préliminaire. Bon, ben, on va essayer de s'occuper à autre chose d'ici là. Je pensais aller à la pourvoirie aujourd'hui. Des plans à récupérer pour le chalet, et faut contacter les entrepreneurs du coin. Mais voyons, Samuel, tu peux pas retourner là-bas après ce qui s'est passé. Pas si vite. Ah, tu me connais. Si je bouge pas, je vais juste tourner en rond en attendant l'enquête. Puis on parle d'un petit aller-retour. Je reviendrai demain matin. Oh, non, non, non. Moi, je suis pas prête à y retourner maintenant. Puis hors de question que je te laisse partir tout seul. La travailleuse sociale propose de nous rencontrer demain à 15h pour l'adoption. OK. On est rendu à l'étape où faut montrer que notre milieu de vie est correct. Oui, ça ressemble à ça. Ah. Penses-tu qu'on devrait faire qu'une tarte aux pommes pour gagner des points? Ben oui, surtout si c'est toi qui as fait. Ça me fait penser. Attends-moi pas pour le souper, j'ai un rendez-vous avec ma psy. Ah, ben ça tombe bien. Moi, je voulais justement aller voir Anne s'entraîner. OK. Je me demande comment ça va pour Mina. Regarde, honnêtement, là, tant que les enfants sont corrects, je pense que Eric deal assez bien avec tout ça. C'est un wara. Il est surtout bon pour fronter. Mais je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Fun quand même, hein? Je l'avais dit qu'on n'avait pas besoin de filles. Stop. Mauvaise idée. Il va y avoir un conflit d'horaire à régler cet après-midi. Je dois quitter le bureau à 15h pour un rendez-vous à la banque. Oui. Merci, Madeleine. Maman, viens voir ça. C'est trop drôle. Je suis vraiment née avec un mohawk.
T'avais tout un look, hein? Pourquoi tu sors ça ce matin? Pour un travail d'art plastique. Pêche-toi, on part dans 5 minutes. Je suis prête. Garde, celle-là aussi est crampante. Attends. Oui, Monsieur Reyes? C'est pas vrai? Allô, ma tante Louisa. Allô, le duo. Tu viens travailler, ma coco? J'ai tout ce qu'il faut pour l'occuper. Ouais, c'est parce qu'on a une grosse journée, là. Je pensais que t'avais prévu la passer ici. Ben oui, oui, mais jusqu'en fin d'après-midi, là, parce qu'on part sur un petit nowhere. Mais là, j'ai comme une impression de déjà-vu avec ton nowhere. Antoine, es-tu revenu dans le décor? Non. Oh. Je pars avec un ami. OK, puis t'as l'intention de le tester lui aussi. C'est quoi le rapport? De toute façon, là, moi, je suis venue te parler de quelque chose d'inspirant. J'aimerais ça qu'on parte un projet de cuisine communautaire. Oh, mais là... Non, viens, là. Je vais te montrer. Ah, mais... Oh, elle est belle, c'est? Ouais, ça roule. Ah. Josée est pas mal souhaite d'inviter Anne au resto après son entraînement. Ah, moi, je pense que elle se fait plaisir. Ça va faire du bien, Anne, de changer d'idée. Elle est pas mal affectée par le cancer de sa mère. J'imagine. Puis Eric, lui, là-dedans, il... C'est que je suis toujours pas prêt à voir Mina, fait qu'il m'a dit le moins possible. OK, regarde. Je vais l'appeler quand je vais avoir un petit lousse. Qu'est-ce qui se passe? Le détective privé vient de m'appeler. Benitez est porté disparu depuis 6 semaines. Fuck. OK, là, c'est clair que Miguel nous rit d'en face. Hein? Il a dit qu'il avait vu Benitez à l'usine. Non, mais attends, le contrat des normes de qualité qu'il a signé Benitez lui-même, ça date de quand, ça? Voilà, le contrat a été signé il y a 2 semaines. Autre chose avec ça? Non, c'est beau, merci. Deux semaines. Un mois après sa disparition. On n'a pas le choix de mettre la police là-dessus. Ah non, pas on. Tu vas t'en occuper. OK? T'as assez défendu Miguel à cette heure. Le problème, tu le règles. OK, Charles, c'est beau. OK, la police, faut qu'on leur donne le contrat, mais aussi tous les autres papiers qu'il a supposément signés. Là. Et on continue à jouer le jeu avec Miguel. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Je peux te parler une minute? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On prévient les coups là, pour l'enquête préliminaire de mon père. Bonne idée. Écoute, est-ce que tu as lu le document que j'ai annoté? Pas encore. C'est assez urgent. Je vais le faire bientôt. OK. Excuse-moi. Hostie, je vais y arracher la tête. Là. Bonjour, François. C'est vraiment gentil d'accompagner Samuel. Ben, je suis quand même son associé. Hein? Ouais, je compte sur toi pour l'avoir à l'œil. Ça m'inquiète qu'il est là-bas. Je comprends pas pourquoi il veut s'imposer ça maintenant. Vous êtes sûr que vous voulez pas régler les trucs à distance et aller là-bas un petit peu plus tard? Non, non. Il n'y a pas de raison de laisser traîner ça. Tu peux terminer ta collation. Bon, où on en était? Ben, je disais que ce serait peut-être pas facile de trouver un local adapté pour cuisiner en gamme. Je suis sûre qu'il y a moyen de trouver ça. Je m'en charge. OK. Puis ça va prendre pas mal de ressources, là, à la halte garderie pendant les jours de cuisine. Ben, je pense qu'on peut s'arranger, là. Excuse-moi. Du livre Jeunesse du Québec, félicitations. Nous avons le plaisir de vous informer que votre compte intitulé Mathéo et son canif se mérite le prix du livre Jeunesse du Québec. Wow! Ah, c'est juste plate qu'il ait pris celui que maman a écrit avec Richard, hein? Ouais. Oh non. Le prix est assorti d'une tournée dans les écoles où les auteurs pourront rencontrer leurs jeunes lecteurs. Oh merde, une tournée avec Richard. Malaise en perspective. OK, ben je vais appeler maman, puis je
Et parler de la tournée juste être dans un bon mood. Allô, Louisa? Allô, maman. J'ai une super bonne nouvelle. Tu viens de gagner le prix du livre Jeunesse du Québec. Es-tu sérieuse? Oui! Félicitations! Ah, ben, merci beaucoup. C'est pas n'importe quel prix. Est-ce que c'est pour le jardin de M. Létourneau ou la petite girafe? Ben non, c'est pour Mathéo et son canif. Ah, ouais. Donc, je vais croiser Richard s'il y a une remise de prix. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, peux-tu m'envoyer les détails du prix que je regarde ça? Ben, écoute, j'ai pas encore toute l'info, mais oui, je vais t'envoyer ça. Mais on s'en reparle bientôt. OK. Bye. Bye. Non, on oublie la tournée. Ben, je sais pas, là, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Ça ferait de la belle pub pour la Fondation. On essaie de convaincre maman d'abord? Ouais. Hey, Eric, c'est Charles. Je me demandais comment ça se passait avec ta mère. Ça va. On retourne souper chez elle demain. Ça redevient presque normal. Good, good, tant mieux. Puis les études? Correct. T'aimes toujours ta gang au cégep? Ben, écoute, je vois que t'es super occupé, alors tu me rappelles quand t'as envie de jaser, hein? Non, attends. Attends, excuse. Il m'arrive quelque chose de plate, c'est tout, c'est... Tu sais, Mathieu, mon ami gay? Ben, il m'a fait des avances. Puis j'ai mal réagi. OK, qu'est-ce que t'as fait? J'allais frapper. Ah, mais voyons donc, c'est pas toi partout, ça? Je sais. Aucune idée qu'est-ce qui m'a pris. OK, mais qu'est-ce que t'as fait après, là? Tu t'es excusé? Ben... Si je m'excuse, il va penser que j'accepte ses avances. Eric. Pas parce que tu vas dire que tu regrettes qu'il va se faire des idées? Ouais. J'imagine. Bon, alors, l'intervention est faite sous anesthésie locale. Ça dure de 5 à 15 minutes. Oui, j'ai lu la brochure de A à Z. Parfait. Vous êtes venu accompagner? Non, c'était pas possible. Mon conjoint est pas au courant. Et j'ai pas envie de partager ça avec qui que ce soit. C'est pas l'idéal de pas en parler. Y a pas de quoi discuter. J'ai pas de place dans ma vie pour cet enfant-là. Je comprends que la situation est compliquée. Compliqué. C'est un énorme gâchis. Le père de cet enfant-là, c'est un amour de jeunesse. Quand on s'est retrouvés, j'ai cru en notre histoire. Mais en ce moment, il est en train de faire des projets d'adoption avec sa femme. Pendant que moi... Vous essayez de sauver la famille que vous avez déjà. Pour ce qui en reste. J'ai pas le choix. Cet enfant-là, je l'aurais voulu avec lui il y a longtemps. Excusez-moi. Excusez. Fallait que ça sorte. Vous avez encore le temps? Peut-être que vous devriez le prendre pour y penser comme il faut. Ah! Abby! C'est Thomas! Hey! Prête pour l'aventure? Ouais! Laisse-moi juste le ramasser, ça. Ah non, mais vous pouvez finir votre partie, là. Oh! T'es en train de perdre, c'est ça? C'est ça, Abby? Ta mère est mauvaise perdante? Bon, allez, mon amour, là.
Attendez-moi ici, je vais faire le tour pour voir si tout est beau. Faut que je sache quoi dire à la compagnie d'entretien. Si le frigo a été vidé aussi. Je commence avec ça, là. Ouais. Tu vois ce qu'a fait ton mari? T'as fait la même affaire avec toi. Fais-je pas ça! Tu me tues, moi! Et toi, tu me diras pas quoi faire, certain! S'il y en a juste un qui rentre, la bonne femme est morte! Laisse-la tranquille! Prends-moi, Pierre! Il y a personne qui rentre, tu traites! Les plans sont en haut, je pense. Chers messieurs, vous n'avez pas fait de crise cardiaque. En fait, je vous dirais même que votre cœur est en parfaite santé. Ah. Donc, d'après là, les symptômes que vous m'avez décrits, c'était plutôt une crise d'anxiété. Ah, mais ça se comprend, hein? Je reviens avec de l'information là-dessus. OK. Merci. Il est complètement dans le champ, lui, avec son anxiété. J'ai vu mon père faire un infarctus. Je peux te garantir que ça se passait là, pas dans la tête. Les médecins sont pas infaillibles. C'est Jacqueline. C'est assez que je suis à l'hôpital, elle va s'inquiéter pour rien. Ouais, on serait peut-être mieux de dire en bonheur. Non, on lui dit pas un mot. Mais si vous avez un problème de santé. Bon, mais regarde, faites-vous-en pas. Dès que je vais revenir en ville, j'irai voir un vrai spécialiste. Pas un médecin brousse. Allô? Salut. Cute, hein? Pas mal. Tu as l'air drôle à part ça. Tellement. Je pense que maintenant, si tu me demandes de sortir avec nous, là, je dirais oui. Mais c'est malade. Juste d'y penser, mon cœur bat plus vite. Non, c'est pas malade. C'est le plus beau sentiment du monde. Ça passe pas souvent. Fait que profite-en, ma belle. Tu sais quoi? Si tu te sens sûre de ton coup, là, tu peux faire les premiers pas. On va-tu souper? Mm-hmm. Si tu veux, demain, je pourrais aller avec toi chez ta mère. J'en profiterai pour prendre de ses nouvelles. Ouais, OK. Et puis, Josée? Hein? Tu sais, quand j'étais petite, là, je trouvais ça plate que toi et Charles n'ayez pas d'enfants. Ouais. Mais finalement, c'est une bonne chose. Parce qu'on peut passer beaucoup plus de temps ensemble. Ça va bien? Ouais. Ma relation de couple est vraiment en voie de guérison. En fait, José et moi, on est en train de faire des démarches pour adopter. Ah! Bon, en effet, les choses ont beaucoup bougé depuis la dernière fois. Mm-hmm. Et puis, l'adoption, est-ce que vous aviez déjà envisagé ça auparavant ou... Non, non. Moi, je vois ça comme une suite logique au lien qu'on a créé avec mon neveu et ma nièce. On est vraiment devenus des confidents pour eux, un peu comme des guides. Je pense que c'est important pour des jeunes de cet âge-là. Puis ce beau lien, cette belle relation que vous avez avec votre neveu, votre nièce, ça vous comble pas déjà? Ah, ben... Est-ce qu'on peut être comblé dans la vie, vraiment? Non, c'est vrai que c'est spécial comme relation.
avec Eric et Anne, mais il y a de la place pour un autre enfant. Une autre expérience. Moi, je pense que avoir un enfant pour un couple, ça peut être un trait d'union. Ça crée un lien à vie entre les deux parents. Tout à fait. Mais j'aime bien votre image, le trait d'union. Ça sous-entend que le bien de l'enfant va reposer sur vous deux, non pas l'inverse. C'est gentil d'être passé. Je me suis dit que t'aimerais avoir de la compagnie. Oh! J'ai oublié les bulles dans l'auto. On va boire un petit verre au prix du livre jeunesse? C'est plutôt l'heure de la tisane pour moi. Oh! OK, bien, je vais prendre une tisane d'abord. Tiens, c'est les détails du prix. Merci. J'ai encore du mal à y croire. Ah, moi aussi. C'est le fun comme reconnaissance, hein? Ouais. Puis, il y a même une tournée des écoles prochainement pour permettre aux jeunes de connaître les auteurs. Une tournée? Mm-hmm. Ça veut dire plusieurs heures avec Richard, ça? Oui, mais c'est juste pour jaser d'écriture, là, donner des trucs aux enfants. Ouais, mais il y a l'enquête préliminaire qui commence aussi. Richard pourrait pas la faire tout seul? Ben là, c'est ma fondation. Ça ferait bizarre que ma mère soit pas là. Ouais, c'est vrai. Je suis désolée, Louisa, mais... Bon, écoute, je vais y réfléchir pour la tournée. Qui part en tournée? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas censé revenir demain? Ça nous a pris moins de temps que prévu. Veux-tu quelque chose à boire? Non, moi, je vais rentrer. Ah, OK, ben, non. C'est mal passé? Ah, non. On a juste réglé ce qu'on avait à régler plus tôt que prévu. Hein? Bye. Ciao. Bye. L'expression être sur un nuage. Mm-hmm. Je pensais pas qu'on pouvait être 10 000 pieds au-dessus de ça. On est à même place à bord. Puis je vais plus redescendre, OK? Promis. Je t'ai trouvé, je te lâche plus. Mm. Bonne nuit. As-tu mon passeport? Je comprends pas, je perds tout ces temps-ci. L'autre fois, c'était mes clés, là, c'est mon passeport. Tu penses pas que ça pourrait être une de nos filles qui veut nous faire passer un message? Qu'est-ce que tu veux dire? Les clés, passeport, ça pourrait ressembler à une stratégie d'enfant qui veut retenir sa mère qui part pour la Suisse. Tu penses? Je me reprends en main, Louisa. J'ai commencé une thérapie. Tant mieux. Je m'excuse tellement. Je voudrais juste pouvoir te rendre heureuse. Je m'ennuie. Jean-Seb, il y a un gros lien de confiance qui a été brisé. Donne-moi la chance de le regagner. Hein? On peut repartir à neuf, non? Si tu veux repartir à neuf, il va falloir que ce soit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je pourrais au moins revoir Charlotte de temps en temps? Non. T'es plus le modèle de père que je veux pour lui. Je pourrais jamais passer par-dessus ce qui est arrivé. Ça m'a fait trop mal. Pas la seule à avoir mal, tu sais. On a fait l'analyse des échantillons d'écriture et tout porte à croire que c'est bien Miguel Gonzalez qui a imité la signature de Javier Benitez.
Merde. Ça fait longtemps qu'il travaille au sein de votre entreprise. Je sais, c'est pas être nommé VP. Une dizaine de mois. Eh bien, la fausse signature, c'est suffisant pour le soupçonner de malversation. Alors, on va enquêter dans ce sens-là. De votre côté, il va falloir agir normalement avec lui. On veut pas qu'il se doute qu'il est sous enquête. Des heures de plaisir. Désolée, Marie-Ève est en réunion. Ben, est-ce que Charles ou Philippe est dans le coin? Ils sont aussi en réunion, mais Marie-Ève devrait être là bientôt, si vous voulez l'attendre. OK. Madame O'Hara. Ça va bien? Bonjour, Miguel. C'est bien toi qui pilote le dossier des filtres résidentiels? C'est exact. Je peux vous aider. Comment ça avance? Très, très bien. Nous avons un prototype entre les mains et la production est en marche. C'est parti. Finalement, c'est toi l'homme qu'il fallait que je voie. Est-ce qu'il y a moyen de jeter un coup d'œil aux derniers états financiers du projet? Oh, on n'a pas fini de colliger tous les chiffres encore. Ah, je peux vous sortir un rapport assez rapidement, si vous voulez. Je préférerais que tu t'en tiennes à la production pour l'instant. OK. Pour toi. Bien, le dossier avance. Mais là, on vient de commencer la production, alors les chiffres changent tous les jours. Mais je vais vous donner des nouvelles dans les prochaines semaines. Coudon, à chaque fois que tu me parles de ce projet-là, c'est jamais clair. J'ai l'impression qu'Agua est dans la merde puis que vous voulez pas nous le dire. Agua est pas dans la merde. OK. Ben, j'attends tes nouvelles. Parfait. Bye, Martin. À bientôt. C'est aussi un cardiologue qui vous a vu là-bas? Non. Médecin de garde à l'urgence. D'accord. Mais le résultat de l'électrocardiogramme est bien clair pour moi aussi. Il n'y a aucune trace d'infarctus. Vous êtes sûr? Écoutez, je vais vous prescrire une série de tests pour tirer ça au clair. Lisa? Allô? Je m'excuse de déranger. Je voulais juste prendre des nouvelles, voir ce qui arrivait de ton côté. Ben, en gros, j'ai entamé des procédures pour obtenir la garde légale des garçons. Ouais, je m'y attendais. Puis, est-ce que tu as repensé à ce que je t'ai demandé? Oui. Mais je continue de croire que c'est mieux pour les gars de couper les ponts avec toi. Je suis désolée. Mais Claudine, ils ont aussi un lien avec Charlot, là. Il est un peu comme leur petit frère. Je sais. Puis je comprends que c'est dur. Mais c'est une deuxième séparation pour eux. Je pense qu'ils vont passer plus facilement à travers comme ça. Je suis désolée. Vraiment. Bonne chance. C'est du retard. Il y a beaucoup d'actions au bureau. Non, ça va. C'est moi qui suis un peu d'avance. OK. Alors, vous avez eu le temps de faire le tour du proprio? Non, pas encore. Il y a des nouveaux éléments dont il faut que je vous parle. En complétant ma recherche sur vous, j'ai trouvé ça sur Internet. Bon, cette chose-là, c'est un ramassis de mensonges. Oui, bon, c'est évident que votre cousin embellit pas les faits. Non, mais écoutez, Laurent O'Hara avait à peu près tous les problèmes mentaux répertoriés. Mon pauvre cousin a fini par se suicider. Et tout ce qu'il a laissé comme lettre d'adieu à sa mère, c'est « fuck you ». Ça vous donne un peu l'idée. OK. Non, je veux bien vous donner le bénéfice du doute, mais il relève quand même des faits réels. Mm. Quand il parle de votre dépendance au jeu, par exemple, ça concorde pas mal avec ce que vous m'avez dit l'autre jour, alors que vous m'avez pas du tout mentionné ce problème-là de votre côté. Ah, oh, mais c'est juste... Pour moi, c'était pas crucial, là. C'est comme ça date d'avant mes problèmes d'alcool. OK. Alors, quand votre cousin dit que vous vous êtes séparés à plusieurs reprises, c'est des faussetés ou... OK. Ben tu vas justement avec Josie, c'est parfait. Mais dès que tu vas avoir une soirée de libre, moi, je te réserve pour t'emmener au cinéma. OK. Bye, mon cœur, je t'aime. Hé, hey, déjà, les petits mots d'amour. Pour un gars qui voulait pas s'embarquer trop vite. Non. Non, non, je parle à ma fille, Anne. Ah!
Pourquoi tu m'as toujours pas dit le nom de ta nouvelle blonde? Ça, c'est pas un gros signe d'engagement, hein? Je vois plus ça comme de la discrétion. En tout cas, c'est pas plus sérieux que ça. Moi, je suis toujours libre comme l'air. C'est l'annexe au dossier que je t'avais demandé, ça. Excuse-moi, c'est un peu pressant. Mais merci. Oui, on a traversé des moments plus difficiles, mais comme tous les couples, je pense. Et votre dernier épisode difficile, ça date de quand, à peu près? Donc, c'est récent. Oui, mais ça nous a permis de repartir sur des bases plus profondes, plus solides. Regardez, est-ce qu'on a l'air d'un couple qui chicane? Écoutez, tous les enfants ont besoin de stabilité, mais c'est particulièrement vrai pour ceux de la banque mixte. T'sais, l'impression que j'ai, c'est que vous cherchez à sauver votre couple en adoptant. Oh, non, 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 c'est pas du tout ça, là. On a sauvé notre couple. Et là, on veut adopter. OK. Mais si ça fonctionnait pas, votre nouveau départ, qu'est-ce qui arriverait à l'enfant? Non, je m'excuse, mais selon moi, l'équilibre général est précaire. Trop précaire pour que je puisse recommander votre candidature. Malheureusement. Allô? T'es pas allé chercher les filles au service de garde? Tu les as trouvés? Sous le matelas de Juliette. Ça, c'est en plus de Léa qui régresse. Tu as sûrement remarqué qu'elle agit souvent en bébé ce jour-ci. Elle a mouillé son lit l'autre jour. C'est pas vrai. Il va falloir qu'on fasse plus attention à ce qu'on dit devant les filles. Pour les rassurer, leur montrer qu'on fait tout ce qu'on peut pour arranger les choses. Ouais. Ou au moins leur donner cette impression-là. Je vais aller chercher. Merci. Je suis contente que vous soyez là. On a pensé à ça, là. C'est... Ça peut adoucir ton quotidien. Merci. Josée, je suis vraiment contente de te voir. Anne t'a dit que je tenais à ce que tu restes pour souper, hein? Oui, c'est gentil. Eric a même accepté de se laisser conduire par sa tante. Ça fait du bien de voir un Ouara pas trop macho. Tu veux pas t'asseoir, maman? Non, non, merci, je suis correcte. Hey, ça te fait bien, ces couleurs-là, hein? Ça fait ressortir tes beaux yeux. De n'avoir des gars qui te courent après. Oh, non, pas vraiment. Ah, ben, tu dois juste pas t'en rendre compte. Je vous ai préparé de la bonne limonade maison. Est-ce que je te dérange? Mais je me sens pas vraiment top shape, là. Hey, mon amour, si tu veux, tu peux aller jouer dans la chambre. En tout cas, t'as l'œil pour spotter les motels kitsch, hein? Non, mais avoue qu'il fallait au moins voir la déco des chambres.
Moi, l'improvisation, je suis tout le temps pour. T'as toujours été comme ça? Surtout depuis que mes parents sont morts, je dirais. C'est tellement absurde. Ils venaient juste de prendre leur retraite. Ils ont eu un accident? Mm-hmm. Ils en allaient en Gaspésie avec leur belle roulotte flambant neuve, puis un super télescope parce que mon père tripait astronomie. Ils avaient travaillé toute leur vie pour ça. Ils prenaient à peu près jamais de vacances. Shit. Je suis désolée. C'est vraiment triste. C'est pour ça que ma soeur et moi, on a décidé de voyager avec l'argent des assurances. Pour réaliser leurs rêves, si tu veux. Ouais. Je comprends. Mais tu vois, si on n'avait pas voyagé, on se serait pas rencontrés. Faut croire qu'il faut faire confiance à la vie. Je m'excuse de t'avoir appelé, là. Je me sens vraiment mal. Maman? Papa? Ben non. Juste moi, je mes conneries. Tu sais, le collègue, là, dont je t'ai parlé, avec qui je couchais de temps en temps. Ben, il a rencontré quelqu'un. Puis ça donne que... J'ai pas mal de sentiments pour lui, finalement. Mais est-ce que les choses étaient claires entre vous? On s'était dit, pas d'attache, mais tu sais... Je me disais qu'à force d'être ensemble, ça finirait par devenir sérieux pour lui aussi. Oh. Et là. T'es vraiment un bon gars, hein? Un super ami. Ah non, ça va être correct, je vais m'en occuper. Tellement bon avec lui. Surtout qu'il n'y a plus personne qui ressemble à un père pour lui en ce moment. J'aimerais ça que tu y serves de modèle, OK? C'est un modèle masculin, là, c'est important quand on est un petit gars. Oui. Avec plaisir. T'es quasiment aussi dramatique que Kat. Quand elle avait pris un verre de trop. Bon, ben, c'est l'heure de me retirer dans ma belle chambre pastel. Ben, bonne nuit. Bonne nuit. T'as des beaux rêves? Toi aussi. Qu'est-ce que tu as décidé pour les visites dans les écoles, finalement?
Oh. Je vais probablement y aller. J'ai pas le cœur de dire carrément non à Lézard. Je suis correct. Je comprends. J'espère juste que Richard va se désister. Puis non, je pourrais lui laisser la place. Ça reviendrait au même pour la Fondation? Pour que ce soit lui qui prenne tout le mérite. Jamais de la vie. J'aime autant me faire à l'idée de te voir avec ton... un scribouilleux qui aurait jamais gagné de prix sans toi. Tu devrais être couché tôt. Mmh. Ça va être une grosse journée demain. Mmh. Allô? Salut. Puis, ton souper? Ouf. Je suis dans un drôle de mood. Ah, non, non. Faut pas se laisser abattre comme ça, là. La banque mixte, c'était une option. Il nous reste encore l'adoption internationale. Non, on risque de frapper un nul, là aussi, hein? Oui, mais peut-être pas. Regarde, on a vu comment ça se passait. On fera pas les mêmes erreurs. OK, mais les délais d'attente sont quand même plus longs, hein? 2 ans, 3 ans. Même avec les meilleurs moyens financiers. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre tout ce temps-là? Est-ce que votre frère ou vous-même étiez armé? Moi, oui. J'avais un gun dans les poches. Mais pas mon frère. Ah, je regarde ta petite face, là, puis je sais que tu prépares quelque chose. La direction sont pas contents. Mais pourquoi? Mais même, une petite pousse donne pas de nouvelles. T'es dans la marde. Docteur Jodoin voudrait vous voir dans le bureau de la direction quand vous aurez...